Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les décorations d'Halloween. Effectivement, il ne reste plus que quelques jours, peut-être même quelques heures avant l'arrivée donc, du mois d'octobre où il sera bon de décorer son île avec les décos d'Halloween. Donc je vais vous faire un petit point là-dessus parce qu'on a une petite nouveauté cette année. Du coup, on va découvrir toutes les décorations ensemble. On commence donc avec l'arche, la baguette, la calèche et la clôture. La baguette et la calèche, le plan vous sera donné le jour J. Vous avez également la déco de table, le lampadaire, la lanterne et le lot de bonbons. Là, on a de quoi décorer toutes les maisons avec les lanternes. Et j'aime beaucoup les objets de table. On a la guirlande, la table justement, le siège et l'épouvantail très sympa au milieu des champs de citrouilles. Le set de lanterne qui est l'un de mes objets fictifs accompagné de la pile de citrouilles. De quoi faire des choses magnifiques. Le jour J, Jaco vous donnera le mur, le sol et le tapis Halloween. Il n'y a pas de plan, mais franchement, c'est des objets très sympas. L'an dernier, on avait eu le droit à une mise à jour avec donc le panier bonbon, l'arbre Halloween et la lampe sort. L'arbre d'Halloween étant mon énorme coup de cœur. Et cette année, regardez, nouveauté, l'assiette de cookies d'Halloween qui est donc arrivée avec la mise à jour 2.0 et donc la possibilité de cuisiner. Donc ça vous permettra peut-être de revoir votre décoration un peu différemment, de faire de jolies tables avec des mélanges entre les assiettes et avec les décos de table, etc. Ça peut être super top. Franchement, moi j'aime beaucoup. Les petits gâteaux sont chouettes. Il y a toutes les couleurs représentées. On a le petit fantôme, après on a les quatre couleurs de citrouille qu'on peut utiliser. Je trouve que c'est une super idée d'avoir mis ça en place. Et moi, il me tarde donc de vous en montrer un petit peu plus au niveau de ces objets et notamment la mise en scène donc de l'assiette de cookies d'Halloween. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si c'est une décoration Halloween que vous adorez faire, en tout cas moi c'est ce que je préfère dans le jeu. Donc n'hésitez pas à m'en parler, à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.